c'est pour rappeler les RPGistes, ce qu'ils ont, ils ont programmé, c'est bientôt, ça reste 2 jours ou bien 3 jours. Voilà, 2 jours, jeudi, vendredi. Les RPGistes, vous avez appelé une manifestation noble. Donc, voilà, n'ayez pas peur. On a Garou, on aura manifestation, vous pouvez le faire. Voilà, là-bas c'est en Europe, c'est la loi qui parle là-bas. C'est pas Alpha Condé qui parle là-bas, c'est la loi qui parle là-bas. C'est là-bas qu'on appelle l'Occident. Otambe Darouina Nawa. Otambe Ayarena Nawa. Osiga, sortez, vous allez manifester en Occident à cause d'un dictateur. Hein? À cause d'un dictateur, à Otanga manifesté, à le 19, et Tamilimera manifesté. Osiga. Aussi, on s'est manifesté. Oui, on a magouboté bana. Aïe. Big up for you. Big up, big up, big up for you, Kabele. Voilà. Donc, les RPGs, vous avez passé votre temps sur les réseaux sociaux. Yeah. En disant à les gens que oui, vendredi, samedi, le 19 juin, RPG doit faire une manifestation en Europe, je ne sais pas quoi. S'il vous plaît, sortez. Sortez. Je vous ai dit ici l'autre fois, j'ai été la première personne. Voilà, on a fait le mec RPG, on a fait la Darouina Naura. On m'a dit de dougouler l'imana. On m'a dit de dougouler l'imana. On t'a dit de Darouina Naura, on m'a dit de dougouler l'imana. Une manifestation pour soutenir Alpha Condé, soutenir un dictateur. Vous avez oublié quelque chose, on m'a dit de Moussen Dendema. 80% des Guinéens en Occident, et bien c'est des demandeurs d'asile. Hein? Ils sont tous des demandeurs d'asile. Voilà. Donc, ils ont un asile. Ils ont un asile politique demandé. Ils ont un asile. Ils ont un asile. Ils ont un asile. Ils ont un gouvernement qui est là. Soi-disant que ouais, ils ont un asile qui est soutenu. Ils ont un asile qui est là. Ils ont un asile qui est là. Louana nané roi, c'est rien. Justice. Voilà. Alpha Condé Rama, vraiment justice, maman de non. Telle personne qui doit faire 5 ans, telle personne qui doit faire 20 ans, non? C'est pas ça. Là-bas, c'est la loi qui parle. Allez, ben, on s'est manifesté. Allez, ben. Moutan, on a mini, on s'est manifesté. Nan, on a fait moutan, ma quoi. Moumoua, moura, moura, bilin, jamais. Nous voulons pas cela. Parce qu'on a vu les communicants d'RPG. Les Benito, les Ansu Damaru, Fof, Dankatigi, en tout cas les communicants d'RPG, ouais, qui viennent gueuler sur la toile que oui, le 19, on doit faire la manifestation. Allez, ben sortez, sortez. Vous pensez que le problème de la Guinée, c'est une communauté. C'est ça que vous pensez. C'est ça que vous pensez. Vous pensez que oui, quand vous allez dire que le 19 là, vous allez faire des manifestations, les malinqués qui sont en Occident, ils vont sortir pour vous. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Vous pensez que le problème de la Guinée, c'est une communauté. C'est les Guinéens qui souffrent. C'est les Guinéens qui souffrent. Les Guinéens n'ont pas refait. Oui, moi, je me suis dit, les Guinéens n'ont pas refait. Sans distinguer les communautés, les ethnies, on souffre. C'est ça qui est la vérité. On t'aurait et au moins on refait. Et ça continue toujours la galère. Vous allez dire que ouais, vous allez sortir de soutenir Alpha Condé, de soutenir la manifestation d'une dictature. Hein? Sortez. C'est samedi. On a Womadila Alimane dans Kadina Naoura. RPG. On a Womad Bilé, samedi le roi. On m'a manifesté, Seigneur. On m'a manifesté à tout, on m'a manifesté de soutenir Alpha Condé. Allez, mané, danka, di yanga, m'a dit vrai, nan, na, oura, autant communiquer, Birin. Communiquer, Birin. Allez, mané, vous êtes vrai des bâtards. Vrai moudia, autant, les communicants d'RPGs, de Baoro à Zaoro. Tout ça, ça commence à votre leader, comment il s'appelle? Oumar Oulada. Que ça commence à Oumar Oulada, parce que lui aussi il a fait une vidéo dans sa voiture. Ouais, le 19, Ambarafo, et le 19, ben RPG, ben
Baby Wooly, ou bien je ne sais pas comment on dit ça à Malinké. Baby Wooly, Sila là, Makolo Sila là, Baby manifeste Sila là, je ne sais pas quoi, c'est lui qui sait. C'est lui qui sait dire ça. Il faut sortir, mon frère. Tu penses que là-bas c'est en Guinée? Tu penses que là-bas c'est de la merde, en Occident c'est de la merde. Là-bas c'est la loi. Là-bas c'est la loi. Vous êtes en Afrique. Sinon, vos compatriotes frères d'RPG, tels que Amadou Damarou, Benito de Massanta, Dan Katigi, et tous, ils n'ont pas le passeport. Vous comprenez, non? Ils n'ont pas le passeport. Ils n'ont pas le passeport. Ils n'ont pas le passeport. Ils ont juste une carte, une petite carte. Comment on dit ça? En tout cas, la carte résidence, c'est fini. C'est fini. Telle personne va te pousser de sortir faire la manifestation dans les différentes rues à Paris. Oh, mini Ramenaoura, si vous n'êtes pas maudit, si les vrais RPG, vous n'êtes pas maudit, sortez. Sortez, s'il vous plaît. Sortez. Ah, mon frère Kouma, moi je n'ai rien dit. J'ai dit RPG. Sortez. Parce que vous là, vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes ici, vous êtes bêtes. Parce que toi, tu penses que tu es malinqué. Quand RPG Arc-en-Ciel dit que manifestation, ouais, tu es malinqué, ça te concerne. C'est ça que vous pensez. La manifestation là, hein, quand on appelle pour manifester de la vérité là, c'est pas pour une communauté, c'est pour tous les Guinéens. Donc détrompe-toi, mon frère. Voilà, si tu veux sortir, ça me dit, en tout cas, tu dois sortir. Et parce que moi, je sais, j'ai la conscience que oui, les Guinéens, 95%, c'est des demandeurs d'asile, surtout en Europe. C'est des demandeurs d'asile. Un demandeur d'asile peut sortir dans la rue comme ça, à ce gars, ça manifeste, soi-disant que ouais, il m'engueffe, il faut rentrer. Tu veux soutenir ton président, il faut rentrer. Rentre chez toi. C'est là-bas qu'on va comprendre que oui, telle personne veut soutenir Alpha Condé. Voilà. On a galéré dans un couic, on m'a mené galéré couic, parce que le feu général, l'ancien compte à la raya fama, a fallu ne wobe. Et on a rangé, on a rafiradé, on a raiboré sur Royaï, Royaï Moubé Colomb. Oboris Tongo, Oboris Otakanyi, Narambarba Morbe, Oboris Onakanyi, Nathan Nomo Uraya Mayo Kolundi. Mais les Guinéens ont pensé que lui, comme Alpha Condé a fait 50 ans en Occident, ouais, il a vu le système occidental, le système blanc. Vous voyez, non? Tous les Guinéens ont pensé que lui, quand Alpha Condé vient là, ouais, il va instaurer le système blanc, le système de ouf, quoi. Ouais, même moi j'étais convaincu que ouais, corobana galère babang momosile, comment on dit ça, momosile barabang kolabali le barabang. Moi même j'avais pensé, mais Koro est venu avec 50 ans d'expérience en Occident, en Gassaï, zéro. Même moi je peux gérer la Guinée, je peux gérer la Guinée sans distinguer les ethnies. Mais Fahama, c'est telle personne est plus que telle personne. Telle personne fait partie de ma communauté. Telle personne fait partie de mon parti. Telle personne est mon cousin ou bien telle personne est ma cousine, nièce, etc. etc. Vous pensez que Nana le Guinée, vous avez vu comme le feu général Ansana Conta a dirigé ce pays-là. Voilà. Il a dirigé ce pays-là sans distinguer les ethnies. Oui. Sans distinguer les ethnies. Regardez le président de l'Assemblée en époque. Il était un peuple. Ministre, premier ministre, un peuple. Ministre de la Justice, un peuple. L'aide de camp, un peuple. Général, je ne sais pas de quoi, d'état-major, c'est un peuple. Vous voyez, non? Après. Les forestiers, les malinqués, etc.
Mais aujourd'hui, le vieux serpent est venu nous diviser. Il faut accepter la vérité. Vieux faouon tagi taoun. Allez, il est tagi taoun. Ah, ma sœur. Asi ga masel na communauté bi mbele gine no eta mfule na ya no eta maninke na no eta sosio na no eta forosi na ko ma muwa ma mumonga na fala mun na fala mane na tam fera muna wobe ina to vous les RPGs vous êtes à Nord-Sida aujourd'hui vous demandez l'asile aujourd'hui c'est parce que ça ne va pas en Guinée c'est parce que ça ne va pas en Guinée donc il faut ouvrir ici il faut ouvrir ici ne vous laisse pas manipuler à la vue 90 ans. C'est nous, la jeunesse, qui ont l'avenir de la Guinée. Il faut comprendre cela. C'est nous, la jeunesse. Voilà. Mais, quand tu dis la vérité, certaines personnes viennent gueuler sur toi, viennent t'insulter. Ouais, parce qu'ils ont, ils voient que tu ne fais pas partie de RPG. Mais vous me faites rire. Vous me faites rire. La vérité, c'est la vérité. Sortez le samedi. Hein? Le samedi qui vient, la sortez si vous êtes homme, sortez. Les Européens vont vous montrer que oui, là-bas la loi est plus forte. Rien n'est dessus de la loi là-bas en Occident. Sortez. Les communicants maudits, s'assoient aux États-Unis, en Europe, en Guinée. Dites à les compatriotes, frères, ouais, vous allez sortir, soutenez Alpha Condé. Hey! Si vous voulez sortir pour soutenir Alpha Condé, il faut lancer un appel en Guinée. C'est la Guinée seule qui peut faire des bêtises là. Vous sortez dans les rues, allez-y, comment ça s'appelle, dans les différentes ambassades, ambassades de France, Allemagne, Belgique, etc., etc. Voilà, en soutenant Alpha Condé, mais ce n'est pas en Occident, parce que déjà il est bloqué là-bas. Donc, les gars, c'est ça. Les tambayons. Et juste une minute pour le monsieur qui a violé la petite fille de rien. Un journaliste en Guinée qui a violé une petite fille. Un journaliste qui s'appelle Robin. Si je ne me trompe pas, il s'appelle Robin. Mais ça là, ça doit médiatiser partout dans le monde entier. Un journaliste qui vient gueuler sur les oppositions. Si c'est pour critiquer les opposants, l'opposition, le gars, il est meilleur. Ya grand, il va me faire remarquer Radi, du Medi, une jeune fille de rien au moins. Il va remarquer Radi Madungura. Mais, Bill Gates, je m'appelle Ephraim Kanye, mon nom est Rétana Soutenifi. Mon nom est Gakombe Maibi Asihan Yeso Yerori. Oui, parce que normalement, vous devrez faire la justice pour cette petite fille-là. Vous devrez faire la justice. Oui, justice relie. Justice rara wali raba. Quant à nous, l'opposition, Duniabi Mbara Kolong, donc un journaliste prostitué comme ça, le meilleur acteur pornographique, oui. Qui se convertit en journaliste, en critiquant les opposants. Maintenant, aujourd'hui, il a violé, séquestré une petite fille. Donc, la justice, on interpelle la justice massivement. Robin, tu dois aller répondre tes actes à la justice. Forcé. Voilà, on vous donne au minimum 48 heures. Si on ne voit pas le travail de la justice. Bill Gates, ta maman, elle va répondre tes actes. La justice aussi. Voilà. La justice, on vous interpelle de faire la justice pour cette jeune fille. Oui, qui a perdu sa dignité banalement comme ça, à cause d'un farfelu comme ça.